Allez, c'est parti. Bon, je ferai un petit mix, je pense, d'une sortie où il y avait un peu plus de soleil et celle-ci, du coup, pour vous faire découvrir cette belle Dordogne. Je pense que ça peut être plus sympa, on fera ça en musique, tranquillou. Ça se voit que ça manque d'eau quand même. Ok, regardez-moi ça comme c'est beau.
Où c'est? Bah, juste faire attention quand vous allez marcher là, c'est une patinoire. Enfin, après, si vous voulez y aller, hein. La fameuse grotte. Ouais, en parlant, ouais, j'avoue. Et je pense qu'on va pouvoir prendre le canoë pour aller là, là. On va y aller un peu avec le canoë, hein. Ta baguette, t'en auras besoin. Alors, donc là je vais pas pouvoir passer hormis à pied, après c'est un peu dangereux. Donc voilà, c'était au moins pour vous montrer la petite grotte. J'avais envie d'avancer un peu quand même, mais je vais me tordre dans tous les sens. Voilà, après de toute façon c'est bloqué. Parce que c'est magnifique. J'adore ça. Superbe. Après là-bas, hop, c'est fermé. On va repartir tranquillou. Oh, désolé pour mon système de caméra, là c'est un peu à l'arrache. Ah. Mais voilà, c'était au moins pour vous faire profiter de cette petite grotte pour ceux qui n'ont pas osé. Ceux qui n'ont pas osé rentrer à l'intérieur. Non, c'est grave glissant avec la boue, faire attention même en basket. Ah, ça paraît pas comme ça, je sais pas l'effet que ça va donner en vidéo, mais c'est trop flippant quoi. Quand t'arrives là-bas dans le noir, on a vraiment aucune visibilité. Magnifique.
Bah, je vais pas trop faire le fifou à m'avancer là-dedans. Il y a un léger courant qui part vers là-bas et je t'avoue que c'est pas très rassurant.